Il le fait, mais mal parce que ce système de santé, c'est premièrement un système de soins qui a été centré sur le soin et pas sur la prévention. Alors, les maladies chroniques posent le problème, beaucoup d'entre elles posent le problème de la prévention. L'obésité, les troubles coronariens, les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et ensuite, il a été centré sur la maladie aiguë. Les maladies aiguës bénignes pour les soins de ville et les gestes techniques simples, et les maladies aiguës graves et les gestes techniques complexes sur des filières de soins qui passent parfois par le 15, d'urgence, par exemple les greffes d'organes, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, tout ça. Dans la maladie aiguë, notre système est assez performant. Que ce soit les maladies aiguës bénignes, où le médecin traitant de ville, demain l'infirmière, de pratique avancée, dans la relation individuelle, bon, aujourd'hui un peu débordé, mais enfin, ça fonctionne. Les maladies aiguës graves, la France reste très bien placée. Il y a en France 6000 greffes d'organes par an, bon, qui ne posent pas de problème. C'est une organisation fantastique. Notre système est très mal adapté à la maladie chronique. Et la maladie chronique, c'est 20 millions de personnes, si on compte les facteurs de risque, c'est plus de 10 millions de personnes dites en affection de longue durée, c'est-à-dire prises en charge à 100% par la Sécurité sociale en raison de maladies chroniques, que ce soit le diabète, les maladies neurodégénératives, les polyarthrites rhumatoïdes, l'asthme, enfin bon, la bronchopathie chronique, l'insuffisance respiratoire. Bon, tout ça, c'est des maladies chroniques qui se développent, hein, l'obésité sévère. Un premier parcours de soins, quand on parle parcours de soins, on veut dire les rapports entre ville et hôpital. Il faudrait dire aussi soins de suite. Bon, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faudrait fluidifier. Alors, ça suppose, notre système, il est mixte. Hein. On a des hôpitaux publics, mais on a une médecine libérale. On a une médecine où en ville, on travaille peu en équipe. Alors, pour améliorer ce parcours, premièrement, c'est qu'on organise la ville, qui est peu organisée. C'est ce qu'essaye de faire la ministre. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, historiquement, les centres de santé sont une réponse pour travailler en équipe. Encore faudrait-il ne pas être payé à l'acte. Encore faudrait-il pouvoir être payé sur la prise en charge d'un patient sur une année ou sur, pour un groupe de patients, recevoir une dotation. Alors après, l'hôpital, paradoxalement, on l'a mis aussi dans une tarification à l'activité qui le replie sur lui-même. On a dit aux hôpitaux, augmentez l'activité. On n'a pas dit aux hôpitaux, travaillez avec la ville. Hein, on leur a dit, au contraire, faites le plus possible d'activité et on va vous mettre en concurrence les uns avec les autres. Donc on a été à l'inverse de ce qu'il fallait depuis 10 ans pour s'occuper des maladies chroniques. Alors après, il y a les outils techniques, je puis dire, ou relationnels. Hein. Évidemment, chaque médecin traitant, généraliste pour l'essentiel, devrait avoir le numéro de portable de senior correspondant, qu'il puisse appeler à tout moment. J'ai en face de moi un malade diabétique qui va mal, je pense qu'il faut l'hospitaliser parce qu'il y a une plaie du pied, est-ce que tu as un lit? Il ne peut pas appeler le standard. Ou dire aux malades, ben, allez aux urgences. Bon. Donc c'est pareil pour les autres spécialités, la cardiologie, les patho-gastro-entérologie, la rhumatologie. Or, les médecins de premier recours n'ont pas toujours le panel deuxième recours sous la main, ce qu'ils devraient avoir. Bon. Et inverse pour l'hôpital. Je vois un malade qui n'a pas besoin de rester à l'hôpital, il faut que je renvoie à son médecin traitant qui le suivra très bien. Et, oui, mais je ne connais personne, je n'en trouve pas. Ben, j'ai une liste de correspondants. Et, alors ensuite, on peut aller plus loin. On peut avoir des protocoles communs, avec des formations communes. On peut avoir un dossier médical partagé, dont on parle depuis si longtemps. On peut avoir des praticiens partagés. Un praticien hospitalier pourrait avoir un mi-temps à l'hôpital et un mi-temps payé par l'hôpital ou remboursé par la Sécu, qu'il passe dans différents centres de santé et maisons de santé pluriprofessionnelles du territoire, où il va une fois par mois pour voir les cas difficiles ou discuter des dossiers avec les correspondants du premier recours, hein, et ou avec les collègues spécialistes de ville, de manière à ce qu'il y ait une fluidité. Ce qui veut dire que chaque équipe de professionnels de santé doit se préoccuper non seulement de la qualité des soins qu'ils donnent, mais quel est l'amont et quel est l'aval. Est-ce que, quand je prends l'exemple que je connais bien du pied diabétique, on va envoyer ensuite de maison le patient dans des soins de suite? Est-ce que dans les soins de suite, on a un protocole commun? Ou est-ce qu'ils vont dire, oh, bon, c'est bizarre ce qu'ils font, nous, on ne fait pas du tout ça. Bon, on a une espèce de chaos. Bon. Donc, ça suppose des gens qui travaillent en temps. Ça suppose du temps de formation. Est-ce que vous avez des protocoles communs? Alors, quand on évalue la qualité, on doit dire, est-ce que vous connaissez
les soins de suite avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez élaboré des protocoles communs? Vous avez fait des formations communes, bon, qui assurent la qualité, hein? Donc voilà, donc c'est tous ces outils-là. Alors, au sein de l'hôpital même, il devrait y avoir des équipes mobiles. Il y en a, mais pas assez. Équipes mobiles de psychiatrie, équipes mobiles de gériatrie, équipes mobiles de diabétologie. Parce que les diabétiques ne sont pas dans le service de diabétologie. Il y en a 20 ou 30% dans le service de cardiologie. Il y a 5% de diabète gestationnel à la maternité. Il y a, dans les accidents vasculaires cérébraux, 20% de diabétiques. Bon, donc il faut le contraire de ce qu'on a fait. Hein. À l'hôpital, on a cloisonné aussi l'hôpital avec des pôles. On a tout cloisonné, avec une logique marchande qui est évidemment inadaptée à la maladie chronique. C'est une autre médecine. Pourquoi c'est une autre médecine? Parce que c'est un autre rapport au patient. C'est qui est-ce qui se soigne dans la maladie chronique? C'est le patient. 90% des décisions sont prises par lui, donc il doit être formé. Il doit savoir faire. Le problème de l'observance devient un problème majeur. Hein? On sait qu'en gros, elle est chiffrée à peu près à 50% seulement. Donc ça va faire des complications. Alors, ça suppose de travailler cette observance. Cette observance, ce n'est pas une obéissance. Ce n'est pas le médecin donne des ordres et j'obéis. C'est forcément le malade a compris, est d'accord, et on a discuté avec lui du meilleur compromis pour lui, pour se soigner, entre les contraintes psychologiques, sociales et les outils thérapeutiques. Et ça dépend de son milieu, du soutien qu'il a autour de lui. Donc tout ça va être une médecine réellement personnalisée, pas biologiquement personnalisée, comme on dit, mais personnalisée sur la personne, qui est une entité, pas seulement des chiffres, c'est pas seulement un génome. Hein. Donc cette médecine-là personnalisée, on l'apprend peu à l'hôpital. On apprend à soigner des maladies, on n'apprend pas à soigner des malades. Hein. Donc c'est une prise en charge globale, qu'on dit, biomédicale, psychologique, sociale, et pour la maladie chronique, y compris pédagogique. Or, visiblement, la formation, elle est essentiellement biomédicale. Hein. On travaille peu avec les travailleurs sociaux, on a une formation psychologique dérisoire, hein, sur la relation médecin-malade et sur ce que sont tous les mécanismes de défense pour défendre son sentiment de bien-être. Hein, on est prêt à faire des folies pour se faire plaisir. Bon, l'être humain est comme ça, donc, et prendre des risques pour sa santé. Donc, comment on peut aider, hein, dans les maladies chroniques, il y a aussi tous les troubles du comportement, l'alcoolisme, les addictions, hein, l'anorexie mentale, les troubles du comportement alimentaire. Bon, tout ça, c'est partie des maladies chroniques. Et la formation est insuffisante. Et le système de soins du paiement à l'acte d'un côté, la tarification à l'activité de l'autre, est inadapté. Et c'est un travail qui se fait en plus en équipe. Or, la médecine de ville, historiquement, n'a pas été habituée au travail d'équipe. Alors, elle s'y met, mais elle s'y met lentement. Alors, un des grands problèmes, c'est que le changement pour l'organisation de la ville autour des maladies chroniques, ça va demander des années, plus qu'un quinquennat. Or, si on réduit les moyens de l'hôpital pour les transférer en ville, l'hôpital, lui, il a le temps de sombrer. Hein, l'hôpital va mal. Donc on a un système d'une médecine de ville qui n'est pas adaptée aux maladies chroniques, pas assez, et d'un hôpital qu'on a mis dans la tarification à l'activité, dont on a baissé les tarifs, et donc qui est en souffrance. Donc le système de santé reste bon pour les maladies aiguës graves, et vraiment menacé et inadapté pour la maladie chronique.